L'année dernière, on a voulu réaliser un acting à partir du film Conjuring 1. Et comme tu l'as vu dans le titre, ça a plus tourné en fou rire qu'autre chose. Alors dans cette vidéo, tu vas retrouver autant les coulisses des tournages, mais surtout le gros making of. Alors installe-toi bien et attention à tes oreilles. Ok, c'est parti. Ok, let's go. Bref, je vais filmer sur le moment. Je sais même pas si la vidéo précédente, on a vu l'appareil tomber. Mon chat est venu et il a complètement pété la croche de mon micro, c'est un vrai bonheur. Les esprits de la vie. Non, pourquoi j'ai rigolé? C'est pas ça. Ah non. Ah vas-y. Entrez à l'intérieur de vous. Ok, là c'est le moment qui est dur parce qu'on a déjà tapé un fou rire et on doit rester silencieuse et calme. Ok. Ed et Lorraine Warren ont beaucoup de choses à se dire. Au moins je dis rien jusqu'à la fin, on est d'accord. Ouais, juste la fin de la répéter là du coup. Oui. De quoi tu gères? Je sais pas. Bah quand je te regarde. Eh mais j'ai un rire de sorcière. Ouais, ça c'était très dur. La poupée n'a donc jamais été possédée? Non, non, elle a servi d'intérêt. Elle a été déplacée pour donner l'impression d'une possession. T'es chiant. C'est pas possible. J'y arriverai jamais. Allez, reste naturel. Reste naturel. C'est dur. Mais il faut pas avoir de fou rire comme ça. Après c'est la merde. Tout est de ma faute. Tu te sens prête? Ouais. La poupée n'a donc jamais été possédée? Non. La poupée n'a donc jamais été possédée? Putain! Pourquoi dès que je sais que c'est ta scène, j'arrive plus? Il n'a jamais été possédée. Mais c'est t'as été possédée, poufiasse! Il y a un trou dans mon collant là. Ouais. Super. Allez! Un esprit diabolique là. La poupée n'a donc jamais été possédée? Non, non, elle a servi d'intérêt. Elle a été déplacée. Alors je te regarde. Plus qu'à me reposer dans mon âme. Elle a donc jamais été possédée? Non, non, elle a servi d'intermédiaire. Elle a été déplacée pour donner l'impression. Yes! Je m'en fous la garde. T'as tourné ta tête pour regarder deux fois la poupée. J'ai fait pourquoi tu demandes? Peur, mais ouais, ce qu'elle veut c'est vous posséder, du coup je t'ai regardé un peu plus tard. J'ai regardé le film en fait. J'ai regardé le film. C'est horrible. Si je regardais la caméra, si je voyais le retour caméra où tu la voyais elle, oh, c'était c'est mort en fait. Oh, c'est vrai. Donc là j'ai regardé le film en fait et à chaque fois que tu tournais ta tête vers ma belle, je faisais comme ça. Donc là on a créé le petit papier qu'on va ramasser pour la scène flashback. Mmh. Ouais. C'est parti. Ok, on va leur faire plusieurs fois cette scène, donc du coup là on va leur faire de côté. Du coup cette scène on va la faire aussi de côté. Où est-ce que je vais pouvoir poser la caméra pour... Ah, oh putain, oh mon dieu. Ah, attention, c'est chiant à trimballer. On va y arriver, hein, on va y arriver. Ok. Heureusement empiré. Bah vas-y, on va la disposer dans le salon pour la fameuse scène avec ah oui, avec le crayon. Oh, faut lui poser le crayon, c'est ça. Ouais. Regarde. Ok. Ça nous fait peur rien que d'y penser. Quand on vous racontera, vous nous prendrez pour des dingues. Racontez-nous depuis le début, s'il vous plaît. Ça a commencé petit à petit, avec une main ou une jambe dans une position différente. Ensuite, on l'a retrouvée la tête vers le haut plutôt que vers le bas. Et puis un jour, on l'a carrément retrouvée dans une autre pièce. Elle se déplaçait toute seule. Vous n'avez jamais pensé que quelqu'un qui avait la clé de votre appartement vous faisait une blague? C'est exactement ce qu'on s'est dit. Mais on n'a jamais pu retrouver une seule preuve que quelqu'un était venu chez nous. Et tout ça vous a conduit à croire que la poupée était possédée? Oui. Camilla est allée voir une médium qui nous a appris qu'une petite fille de 7 ans nommée Annabelle Higgins était morte dans cet appartement. Elle était solitaire et s'était prise d'affection pour ma poupée. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on se copine. Quand on a appris ça, on a été vraiment triste pour elle. On est infirmière, on aime aider les gens. Alors, on lui a donné la permission de posséder la poupée. Attendez, vous avez fait quoi? Elle voulait vivre chez nous en habitant la poupée. On a accepté. Et puis, les choses ont empiré.
On est plus que terrorisés. On comprend pas ce qui se passe, on sait pas quoi faire. Vous pouvez nous aider? Certainement. Alors, tout d'abord, cette Annabelle n'existe pas et n'a jamais existé. Les fantômes n'ont pas un tel pouvoir. Nous avons affaire ici à une force extrêmement manipulatrice, à quelque chose d'inhumain. C'était une grosse erreur de répondre à cette poupée. En faisant cela, l'esprit inhumain vous a bien eu. Vous lui avez donné la permission d'envahir vos vies. Qu'est-ce qu'un esprit inhumain? C'est une chose qui n'est jamais venue sur Terre sous forme humaine. Un esprit diabolique. La poupée n'a donc jamais été possédée? Non, non, elle a servi d'intermédiaire. Elle a été déplacée pour donner l'impression d'une possession. Les esprits diaboliques ne possèdent pas les objets, mais les personnes. Ils veulent entrer à l'intérieur de vous.